Salut à tous, j'ai trouvé la source du Mont Blanc ici en Normandie où je vous emmène bosser aujourd'hui chez Mom Group Bell à la découverte du job de Pauline dans son équipe. Salut Pauline. Salut Jerry, bienvenue. Merci beaucoup, tu vas bien? Bah oui, et toi? Ouais, super. Alors chez Mont Blanc, on fabrique pas que de la crème, on fabrique aussi des yaourts. Ah oui, les fameuses gourdes que fabrique Cynthia notamment. C'est ça, exactement. Que vous avez vu dans l'épisode précédent. Et alors toi, ton job ici, c'est quoi? Ben moi, je suis responsable d'atelier. On va découvrir ça ensemble? Allez, on y va. Je t'ai pris ta tenue. On va aller s'équiper. Allez, go. Alors Pauline, explique-moi le déroulé de ta journée. Tu commences à quelle heure le matin? Je commence vers 8h30. Okay. J'arrive, je fais le tour des lignes, je prends toutes les informations de la veille. D'accord. Et je prépare la réunion, donc ce qu'on appelle l'AVP. C'est quoi AVP? Animation visuelle de la performance. Donc avec les équipes, tous les jours, on fait une réunion pour parler des chiffres de la veille et des points importants de la journée. Il y a tous les conducteurs de ligne, d'accord, le leader. Et moi? Et toi, tu manages combien de personnes sinon? Moi, j'ai une cinquantaine de personnes. Ah oui? Au total sur l'équipe. Ok. Réparties sur les 3-8. D'accord. Et alors, tu me parles beaucoup d'indicateurs. C'est quoi ces chiffres? Eh bien, c'est tous nos indicateurs, aussi bien sur la sécurité, donc le nombre d'accidents, les situations à risque. Et puis, après, on va voir l'avance ou le retard par rapport au planning pour savoir où on en est. Et alors, tes outils de travail? Je vois un ordinateur. Eh oui, mon ordi qui ne me quitte jamais. Ok. Et puis après, j'ai le planning du personnel, le planning de production. Ça va me permettre de savoir où on en est à chaque instant et okay, qui est là et qui conduit quelle machine. Bon, alors là, on a du retard ou on a de l'avance? Là, pour l'instant, on est à l'heure. Bon, c'est bien. On est bien. Et donc, tu fais de la gestion de planning, gestion humaine? C'est ça. Je vais recruter les équipes. Tu recrutes aussi? Oui. Ah, génial. Je participe au recrutement, ça me permet de monter mon équipe. Donc, je m'occupe du suivi de leur formation. Et puis après, de faire les plannings par rapport aux productions, d'organiser tout ça de manière à ce qu'il y ait toujours les ressources pour faire la prod. Est-ce que tu pourras remonter à Yann une situation à risque, s'il te plaît? C'est au niveau du remplissage, là où on stocke les bobines, tu as un renfort de rack qui est tout tordu. Et du coup, potentiellement, les bobines peuvent basculer. Je te remercie. Et alors Pauline, ça fait partie de ton job ça, faire remonter les infos? Oui, surtout sur la sécurité, c'est la priorité du site. Donc tous les jours, tous les points sécurité qui sont remontés aux AVP, je dois les remonter aux personnes concernées pour après rediffuser sur les équipes. Ça sent trop bon Pauline dans ton atelier, oui. Je craque. Ils doivent être en train de préparer du chocolat là. Ah ouais, ça sent. Bon et alors là, tu m'emmènes où? Et bien là, on va aller faire l'AVP prod, donc la réunion comme on a fait tout à l'heure avec les équipes. Okay. Mais ce coup-ci avec tous les responsables d'atelier, la sécurité, la qualité et la directrice de production. Les grands chefs. Voilà. C'est hyper robotisé ton atelier. Et oui, c'est ça qui est génial ici. Mais toi, t'as appris où ton job? Ben moi, j'ai fait un master en système automatisé à l'université de Besançon dans le but de savoir comment fonctionne un robot et puis aussi comment fonctionne toute la logistique d'une production. Et comment fonctionne l'humain? Tu l'as appris où ça? Ça, c'est le feeling. Là, on l'apprend aussi un peu à l'école, des techniques de management, beaucoup de RH. Et puis après, je pense qu'il faut avoir ça dans le sang. Et c'est quoi pour toi un bon manager, Pauline? Pour moi, c'est quelqu'un qui est juste et qui est vraiment impliqué dans le développement de ses équipes. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? Ici, ça fait depuis mars. Ah oui, c'est tout frais. C'est tout frais. Et avant? Avant, j'étais plutôt dans la purée et la soupe. Ah bon? Donc, j'étais chef d'équipe. T'es passé au dessert, quoi. Et là, je suis passée au dessert. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton job? Moi, ce que j'adore, c'est être avec l'humain, faire mes équipes, vraiment les développer, les façonner et tout mettre en place pour que ça marche. Et puis après, le quotidien dans les robots, j'adore ça. C'est génial. On a vraiment un outil de production qui est exceptionnel. Et dans ce groupe-là, chez Mom en particulier, qu'est-ce qui te plaît dans cette boîte? On est vraiment sur des produits sains pour la santé, on est sur des produits qui se veulent développement durable, vraiment dans, je pense, une bonne voie sur les tendances actuelles, justement. Alors moi, je suis à l'ouest, chez Mont Blanc, mais on recrute aussi au nord, chez Materne. Moi, je bosse du lundi au vendredi et parfois le week-end. Les équipes sont en 3-8, moi je suis en journée, mais j'ai aussi un collègue qui fait les nuits. Alors moi, pêche, je préfère les yaourts. Bon Pauline, c'est l'heure de la dégustation. Allez. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Un yaourt à la pêche. Ah, donc pêche. Ça part aux États-Unis. Ah oui, je peux pas le trouver en France. Eh non. Waouh, et toi? Et moi, c'est un yaourt nature qui part en Chine. Ouais, c'est bon, hein? Eh oui. Ah ouais, beaucoup de fruits. C'est ça.
Du yaourt, ben dis donc, vivement qu'on le trouve en France celui-là. Mais oui. En tout cas, merci pour la découverte de ton quotidien ici. Ben, merci à toi pour le coup de main. Ben, je t'en prie. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici à Chef Dupont en Normandie, dans l'équipe de Pauline, n'hésitez pas, il recrute, postulez. Et rendez-vous à un prochain épisode avec Laetitia dans les Hauts-de-France, à la découverte du job d'un de tes collègues, je crois. C'est ça. Surprise. Et n'oubliez pas, Pauline, likez la vidéo et abonnez-vous.